Madame, voici votre cellule, entrez. Maintenant, donnez-moi vos mains, je vais vous enlever les menottes. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas. Tout est gelé. Attendez, ici, j'ai une idée. Qu'est-ce que l'officier va faire? Très bien, vous feriez mieux de rester tranquille. Oh mon Dieu! Une telle situation appelle des mesures drastiques. Mais est-ce que ça va marcher? Oh, enfin! Maintenant, enlevons-les, bien. Profitez de votre séjour. Non! Allez, bougez! Je bouge, vous ne voyez pas? Je vais vous enlever vos menottes, ne bougez pas. Aïe, 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 c'est si chaud! Oupsie! Mais l'officier connaît quelques méthodes pour faire face à ce genre de situation. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un succès! Maintenant, vous allez à l'intérieur, allez! Non, je ne veux pas! Les filles chaudes et froides enceintes sont maintenant en prison. Restez à l'écoute et voyez comment elles vont s'en sortir. Oh, c'est si mignon! Je peux toucher le ventre? Oh! Ok, les filles, laissez-moi m'éloigner un moment. Tout le monde veut toucher le ventre de la femme enceinte. Cela peut être mignon, mais aussi très ennuyeux. Ouais, beaucoup mieux. Elles sont déjà de retour? Les filles! Les filles! Oh, je ne peux plus supporter ça! Hé, c'est quoi ça? Des crampons? Ça vient de me donner une idée brillante! Elle utilise ses pouvoirs pour quelque chose. Chloé vient de faire des clous de glace pour son ventre. Aïe! Ça fait mal! C'est pointu, maman! Aïe! Ça fait mal! Quelle méthode intéressante pour éloigner les gens! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ce n'est pas juste! Ah, enfin! Je peux toucher ton ventre? Oui, oui, bien sûr! Combien de temps cela va-t-il continuer? Ça suffit! Oust! Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous n'avons rien fait de mal! Je suis désolée, vous pouvez toucher mon ventre! D'accord! Pauvre Madison, elle est vraiment agacée par le fait qu'elle touche son ventre. Elle veut juste profiter calmement de son goûter. Ah, stop! C'est chaud! Oh non! Maman, j'ai mal! Hein? Que font les filles? Pourquoi est-ce qu'elles se servent des boissons? Oh, on dirait que c'est un bon moyen de se rafraîchir. Ah! Hey, un marshmallow brûlé! Faisons un sandwich avec. On dirait que tout ce feu a laissé à Madison quelques savoureux marshmallows brûlés. Ça a l'air délicieux. Vous en voulez? Non? Ok, comme vous voulez. C'est tellement bon! J'adore! Ok, laissez-moi prendre une gorgée de ça. Oui, délicieux! Quoi? C'est tellement bizarre! C'est trop bon! Hé, venez, je vous ai apporté votre déjeuner. Oh, enfin! J'avais tellement faim! De la crème glacée! C'est à moi, et ça, c'est à vous. Dégoûtant! Je veux une glace! Vous voulez ça? Ha ha! Oh, vous êtes une drôle, vous! Alors peut-être que je peux prendre ce poisson? Hein? Vous voulez du poisson cru? Mais il est froid comme de la glace! Je l'ai porté au chef pour le décongeler, mais... Eh bien, je n'aime pas le poisson de toute façon, alors vous pouvez l'avoir. Yay! Maintenant, faisons une belle sucette avec! D'abord, un bâton! Hein? Puis de la crème fouettée sur le dessus! Juste comme ça! Ouh! Ça a l'air délicieux! Essayons-la! Délicieux! Oh mon Dieu, s'il vous plaît, prenez ça aussi! La meilleure chose qui soit! N'ai plus faim après avoir vu ça! Nourriture! Enfin, je suis affamée! Qu'avons-nous au menu aujourd'hui? Le menu? Ha ha ha! Prenez ça! Eww! Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi quelque chose de mieux! Non, non, non! Vous mangez ce que je viens de vous donner! Je peux avoir du Nutella, s'il vous plaît? Pas question! Pas de nourriture supplémentaire pour les prisonniers! Mangez, puis c'est tout! Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut! Vous allez payer pour ça! Mouahaha! Monsieur, goûtez-le, dites-moi si c'est bon! Non, non, pas question! Oh, maman! Le bol est si chaud! Haha, succès! Maintenant, le Nutella est à moi! Oh, c'est du poivre et des oignons! J'adore! Oh oh! Où est la nourriture? Hein? Les filles enceintes ont des envies de combinaisons alimentaires intéressantes. Je pense que je vais être malade! Miam! Je ferais mieux de partir maintenant! Urk, urk, urk! Qu'est-ce qu'il a, lui? Bonjour, docteur! Voyons comment va votre bébé. Ok, jetons un coup d'œil au moniteur. C'est bizarre, il n'affiche rien. Peut-être qu'il est cassé. Regardez le transducteur! Il est gelé! Oh là là! Que faire maintenant? Oh, je sais. Utilisons un sèche-cheveux pour le réchauffer. Bonne idée!
On dirait que ça marche. Super. Maintenant, nous pouvons voir votre bébé. Le bébé a trop chaud à cause de tout ce chauffage. Oh non! Qu'est-ce qui arrive à mon bébé? C'est ma faute. Essayons de régler la température sur froid. Le bébé se sent bien mieux. Elle semble si heureuse. Oh, ma douce petite fille. Prête pour votre échographie? Oh, regardez-la. Oui, un très beau bébé. Le bébé de Madison semble très heureux et détendu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Le transducteur de l'échographie est complètement brûlé! Oh! C'est tellement chaud! Aïe! Je ne peux pas le tenir! Comment c'est arrivé? Oupsie! Comme toujours, l'excitation de Madison s'est transformée en chaleur. Mais le docteur a une solution. Elle va refroidir son ventre à l'aide d'un éventail. Ok, cela devrait fonctionner. Oh non! On dirait que le bébé a trop froid avec tout ce vent. Hey! Arrêtez ça! Mon bébé n'aime pas ça! Oh, ok, ok, je suis désolée. Quoi? Le bébé aime la chaleur? Plus il fait chaud, mieux c'est. Après tout, elle est exactement comme sa mère. Oh! J'ai tellement chaud! Pourquoi fait-il si chaud ici? Je n'en peux plus! Pauvre Chloé, elle n'aime vraiment pas les températures chaudes. Elle est toute en sueur. Officier! Officier! S'il vous plaît! Yep, qu'est-ce qu'il y a? Il fait si chaud! Pouvez-vous s'il vous plaît baisser la température? Ouais, je pense que je peux la baisser un peu. Non, ce n'est toujours pas assez! S'il vous plaît, baissez-la un peu plus, allez! Chloé est très exigeante, mais elle ne peut pas vraiment fonctionner par temps chaud. Enfin! C'est parfait! Merci beaucoup! Mais tout le monde n'est pas comme Chloé. Non! Je ne peux pas bouger mes doigts! On dirait que les doigts de ce pauvre policier se sont figés sur son téléphone! Hop, ça ne me va pas! Remettons-le en marche! Super, maintenant je peux jouer à nouveau! Quoi? Il fait encore chaud! Pourquoi? Hé, vous! Vous ne m'écoutez pas! Vous allez me remettre le froid! Oh là là! Maintenant, Chloé vient de geler complètement l'officier! Maintenant, il ne peut plus bouger du tout! Super! Et maintenant, un petit coup de pouce pour le motiver! Ha ha! Regardez! Il a poussé la flèche vers le bas en tombant! Maintenant, Chloé est satisfaite! Oh! Il fait si froid ici! Peut-être qu'une couverture pourrait m'aider? Non, il fait encore trop froid! J'en ai marre! Officier! Officier, à l'aide! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai froid, officier! Pouvez-vous augmenter la température? Hein? Toute cette panique pour ça? Bon, d'accord, je vais l'ajuster un peu. Voilà, ça sera parfait. Je vous en prie. Hé, juste un peu plus, d'accord? Bon, d'accord, d'accord! C'est fait! Quoi? Non! Oh! Ok! Laissez-moi tranquille! Voilà! Contente maintenant? Ah! Le paradis! Mais l'officier n'est pas comme Madison. Je n'arrive pas à respirer! Oh, il fait trop chaud ici! Ah, c'est qui eux? Il fait tellement chaud en prison que ça a même attiré des gens de la plage! Pas question de laisser faire ça! Cela devrait les éloigner! Il fait trop froid! Vous êtes fous? On va geler ici! Faites attention, monsieur l'agent! Mais trop tard! Ah! Le feu est déjà là! Quelle énergie a cette fille! Oh non! Mon visage! Ça fait mal! Ah! Ah, bye! Les visiteurs de la plage sont heureux aussi. Les flammes de Madison ont réchauffé l'atmosphère. Maintenant, elle ne tremblera plus de froid. Chloé déballe des cadeaux pour son bébé. Oh, qu'est-ce que c'est? Hein? Des vêtements rouges? Oh non! On dirait que ces gens ont vraiment mal choisi la couleur. Et le bébé n'est pas content non plus. Oh, je sais, mon bébé, je suis désolée. Hein? Et maintenant, ça a gelé? Mais hé! Hey, j'ai une idée! Je vais utiliser une bougie pour ça! On dirait que Chloé est en train de faire fondre la glace! Et regardez ça! Waouh! Le t-shirt est devenu bleu! Yay! C'est vraiment mieux! Et je sais comment le rendre encore meilleur! Je vais juste ajouter quelques flocons de neige! Waouh! N'est-ce pas joli? Maintenant, le bébé est content! Joli! Bien joué, Chloé! Oh mon Dieu! Ouvrons les cadeaux que j'ai reçus pour mon bébé! J'ai hâte! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures bleues? Eww! C'est horrible! Bon, d'accord, voyons ce qu'il y a dans l'autre. J'espère que c'est mieux. Oh non! Blanc? Vous vous moquez de moi? Mais peut-être que le bébé aime ça. Oh non! Elle n'a pas l'air d'en être heureuse du tout. Oh, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hé! Hey, je crois que je connais une solution. Je vais utiliser mes pouvoirs. Haha! Oh non, Madison! T'es allée trop loin! Oh non! Je les ai brûlés! Non! Mais attendez! Le papier d'emballage est rouge! On peut peut-être faire quelque chose avec! Que fait-elle avec ce papier? Presque terminé! Tadam! Des chaussures en papier! Personne ne s'en rendrait compte, hein? Alors, ma chérie,
qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, le bébé n'est pas du même avis. À table! Votre déjeuner, madame! De la nourriture! Enfin, j'ai tellement faim! Qu'est-ce que j'ai? Une délicieuse soupe, ma chérie! Oh, waouh! Profitez bien! Ça a l'air bon! J'ai hâte de la manger! Mais qu'est-ce que c'est? Regardez la soupe de Chloé! Elle est congelée! Or! Je n'arrive même pas à retirer la cuillère! Oh non! Pauvre Chloé! Eh, il y a un problème avec la soupe? C'est juste un morceau de glace! Oh, génial! J'ai une idée! Attendez une seconde! Ouais, ça va être génial! C'est pour moi? Non, pourriez-vous avoir la gentillesse de mettre de la glace ici pour moi? Quoi? Et ma soupe alors? Bon, d'accord. Voilà! Quoi? Mais vous venez de tout congeler! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas le boire! Eh bien, ça semble juste. Si Chloé ne peut pas avoir sa soupe, alors pas de boisson non plus! Courage, Chloé! La prochaine fois, ça sera peut-être mieux. Hein? Eww! Cette soupe est dégoûtante! Je peux la reprendre si vous n'en voulez pas. Non, 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 ça va aller, je vais la manger. Je déteste cette soupe! Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais la mettre sur mon ventre. La meilleure des tables. Ok, voici ma cuillère préférée. Mangeons. Peut-être que mettre la soupe sur ton ventre n'était pas la meilleure idée. Hein? Quoi? Qu'est-il arrivé à ma cuillère? Oh non! Madison a tellement chauffé la soupe qu'elle a fait fondre sa cuillère. Bon, je vais la boire. Ah! C'est tellement chaud! Aïe! Fais attention! Ah, Urk! C'était déjà froid! Hey, vous! Hey! Ah! Quoi? Oups, désolé. C'est pour quoi? Montez, vous pouvez le réchauffer pour moi? Quoi? Ouais, bien sûr, je vais le faire chauffer. Super. L'officier a mis Madison très en colère. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non, ça fait mal. Mais hey, attendez une seconde. Mon thé est à nouveau chaud. Merci. Oh, phew, je suis déjà fatiguée. Urk, quelle est cette odeur? Est-ce que c'est moi? Oh, eww, vous avez besoin de prendre une douche. Quoi, moi? De quoi vous parlez? Ah, waouh, ça pue trop. Vous avez raison. Bon, d'accord, pourriez-vous s'il vous plaît m'escorter jusqu'à la douche? Quoi? Pas question, c'est juste là. Ne me dérangez pas, je suis occupée. Ah oui? Et ça, ça vous occupe assez? Oh non, n'approchez pas, je ne peux pas respirer. Bon, ok, ok. Ah, ça a marché. Très bien, go, go, go. Gardez juste vos bras vers le bas. Ah, c'est tellement drôle. Quoi? Il est hors de question que je prenne un bain avec ça. J'ai besoin de glaçons. Des glaçons? Oui, apportez-moi des glaçons. Vous voulez bien? Oh, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Ok, voici vos glaçons. Waouh, ça fait beaucoup de glaçons. Est-ce que Chloé va vraiment prendre un bain dedans? Cela devrait suffire. Yay! C'est tellement génial. Je suis tellement excitée. Mais regardez l'officier. Il a gelé à cause de toute cette glace. Où est-ce que je dois accrocher mon peignoir? Ah oui! Merci! Maintenant, il est temps de prendre un bon bain relaxant! Yay! Ça n'a pas l'air très relaxant. Mais peu importe ce qui marche pour toi, Chloé. Ah! C'est tellement agréable, n'est-ce pas? Nope! Pas du tout! La 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 la! C'est l'heure d'un bon bain! Vérifions la température. Oh! Il est trop froid! Oh! Ça ne va pas le faire du tout! Mais je sais quoi faire! Du charbon de bois chaud! Oh waouh! Ça sera certainement un bain extraordinaire! D'accord, cela devrait suffire! Maintenant, on va chauffer un peu! Ouais! J'ai hâte de voir ce que ça donne! Voyons comment est la température maintenant! Parfait! C'est parti! Il est clair comme le jour que seule Madison peut prendre un bain comme celui-ci! Ah! C'est tellement relaxant! J'adore ça! Je ferais mieux de me frotter. Il ne faut rien manquer. On ne dirait pas qu'elle va devenir propre après ça. Mais bon, c'est toi qui vois. Je n'arrive pas à dormir. Il fait trop chaud. C'est inconfortable. Rien ne marche. Oh! Je veux dormir. Hey! Officier! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas dormir comme ça. Il fait trop chaud. C'est inconfortable. S'il vous plaît, faites quelque chose. Comment osez-vous? Je suis tellement en colère maintenant. Hein? Regardez, des glaçons.
Je sais comment les utiliser. Aïe! Hé! Hey, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de jeter des glaçons! Prenez ça! Hé, hey, vous! Ça suffit! C'est assez! Je vais vous montrer comment jeter des glaçons! Je sais quoi faire! Qu'a fait l'officier? Oh, regardez! Il vient de faire un lit en neige pour Chloé! C'est incroyable! Waouh! J'ai même un oreiller entièrement fait de glaçons! Et pour la touche finale, encore plus de glaçons sur le dessus! Cela devrait la faire s'endormir! Génial! Ouf, on dirait que Madison a très froid! Elle n'arrive même pas à s'endormir! Je ne sais pas quoi faire! Je ne m'endormirai jamais comme ça! Hé! Hey, officier! Salut! Hein? Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, donnez-moi une autre couverture! Bon, d'accord, tenez! Donnez-moi ça! Oh, merci! Il fait encore si froid! Désolé, je n'ai rien d'autre! Non, je vous en prie! Madison doit avoir vraiment froid! Ses frissons se transmettent même à l'agent de police! J'ai une idée! Oh. Ah! C'est génial! Quelle solution géniale! Un radiateur! Maintenant, Madison peut enfin dormir! C'est une fête pour révéler le sexe du bébé! Attends! Je n'ai pas d'épingle! Comment je vais faire éclater le ballon? Tu en as une? Non, je n'en ai pas! Pourquoi tu ne les as pas apportées? Calmez-vous, les filles! Un énorme glaçon fera parfaitement l'affaire! Ok, tenez le ballon, prête! Wouhou! Il neige! Yay! Oupsie! Les amis de Chloé viennent de geler! Pff, il ne fait pas si froid! Oh, c'est vrai! Le résultat, c'est une fille! Yay! Je suis tellement heureuse! Vous êtes heureuse aussi? Ouais! C'est génial! Madison organise une fête pour révéler le sexe de son bébé. J'ai ramené une épingle. Faisons éclater le ballon. Aïe! Oh non! Ah! Je l'ai fait tomber. Tu peux la ramasser? Où est-elle? Je ne sais pas, je n'arrive pas à la trouver. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, peu importe. Je n'ai pas besoin d'épingle. Une épingle n'est pas nécessaire si tu as de tels pouvoirs de feu. Ok, je l'ai trouvé. Ah! Waouh! Il a explosé. Regardez toutes ces cendres. C'est une fille! Ouais, on est tellement heureuse pour toi. Oups, trop de feu pour ces filles. Mon visage! Arr, mon dos me fait tellement mal! Oh! Plutôt savoureux! Hé! Hey! Officier, venez ici! Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me faire un massage? Un massage? Vous êtes cinglé? Non, pas question! Je suis un officier de police, pas un masseur, non mais... Et contre de l'argent? Eh bien, je peux peut-être vous faire un petit massage. Chloé est très excitée. D'accord, on va vous faire un massage, ça sera facile. Hein? Oh non! Mes mains! Elles sont tellement froides! Brouh! Des glaçons? Hey! J'ai une idée! Que va faire l'agent? Mettre des gants? Plutôt intelligent. Regardez! Il est tout à fait prêt à donner à Chloé un massage spécial. Nous y voilà. Maintenant, cela devrait fonctionner parfaitement. Waouh, c'est génial. Merci. Espérons que le mal de dos de Chloé va disparaître. Bon travail, officier. Vous pourriez vraiment être ma sœur, hein? Ah, mon dos, c'est terrible. La grossesse peut frapper très fort avec ces maux de dos. Hé, monsieur l'agent, j'ai besoin d'un massage du dos. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pouvez-vous s'il vous plaît me masser le dos? Moi? Un massage? Ha 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 ha! Oubliez ça! Pas question, vous êtes folle! Quoi? Ok, et maintenant? Hein? Waouh! Eh bien... bon d'accord, je vais le faire! Oui! Ah, juste ici, c'est là que ça fait le plus mal! Ok... je ne sais pas vraiment comment faire un massage... Hé, hey, c'est quoi cette odeur? Il est tellement maladroit! Quoi? Oh non! Mes mains! Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez! C'est si difficile de me faire un massage! Regardez mes mains! Je ne peux pas le faire! Attendez une minute! Des cailloux? Je sais ce qu'il faut faire! L'officier semble très préparé. Mais qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Oh waouh! Il utilise des pierres pour donner à Madison un bon massage de pierres chaudes. Tellement intelligent! Ah! Joli officier, vous pouvez reprendre votre argent. Lala! Chloé n'a rien à faire. Oh, du patinage sur glace! Ça a l'air tellement cool! On dirait qu'elle vient d'être inspirée pour essayer le patin à glace. Oui, je vais juste mettre ça. Parfait!
Mais où est-ce qu'elle va trouver de la glace en prison? Waouh! Elle vient de recouvrir son sol de glace! Ouais, c'est tellement excitant! Essayons, c'est assez glissant. La 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 la, c'est tellement amusant! Hein? Pourquoi y a-t-il de la glace partout sur le sol? Oh, ne soyez pas jaloux! Ce n'est pas autorisé dans la prison! Je vais y mettre fin avec un lance-flamme! Oups! Attention, officier, la glace est très glissante. Attrapez quelque chose avant de tomber. Vous auriez dû voir votre tête. Hilarant. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'ennuie tellement. Oh, je sais. Je vais lire un livre. Yay! Quoi? Ah! Mon livre! Oups, le livre de Madison est en feu. Arrête de brûler! Oh, ça m'énerve. Je ne peux pas lire. Et maintenant, quoi? Pauvre Madison. Mais hey, on dirait qu'elle a déjà une idée. Qu'est-ce qu'elle prévoit de faire? Waouh, c'est beaucoup de feu! Ça doit être tellement chaud! Je pense que c'est bon là! Super! J'ai fini! Oh waouh! Le sol vient de se transformer en lave! Maintenant je peux jouer à Le sol est en lave! Littéralement! Ah, quel calme! Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait à la cellule de la prison? Oh mon Dieu, je dois faire quelque chose! Oh, faites attention, officier! Regardez vos pieds! Quoi? Jouons ensemble à Le sol est en lave! Oh non! Tout est en feu! Ça brûle! Ça brûle! Yay! C'est tellement amusant! Ah! Oh non! Yay! Je déteste mon travail! L'officier ne s'amuse pas avec ce jeu. Restez loin de la lave. Allez, plus vite! Plus vite! Bougez, bougez, bougez! Les filles font de leur mieux, mais l'officier est un entraîneur très strict. Quoi? Je ne peux pas bouger! Oh non! Mon ballon vient de geler! Qu'est-ce que je dois faire? Oh là là! J'essaie! Plus vite, plus fort! Allez, allez, allez! Oh mon Dieu, cela ne va pas bien se terminer. L'entraîneur la pousse à bout. Oh non! La balle de Madison vient de fondre! Et regardez-moi ça! Pauvre fille! Quoi? Pourquoi vous vous relâchez? Vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant! Go, go, go! Je n'en peux plus! Chloé, donnons-lui une bonne leçon. Les filles semblent être assez détendues. Elle parle de choses liées à la grossesse. Mais qu'est-ce que l'officier fait là-bas? Oh là là! À moitié gelé, à moitié brûlé! Au moins, maintenant, il saura qu'il ne faut pas chercher des noises à ces dames. Quel joli lit de bébé! Mais il manque encore quelques décorations et jouets. Ça ne marche pas! J'ai besoin de quelque chose! Ah, j'ai une idée! Regardez, Chloé a fait des glaçons! Mais qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec? Je sais! Prenons ce truc et mettons-nous au travail! Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle fille astucieuse! Super! C'est terminé! Waouh! Les décorations sont absolument magnifiques! Mais Chloé n'est pas encore totalement satisfaite. Elle sait déjà ce qu'il manque. Monsieur l'agent, pourriez-vous me prêter vos menottes? Quoi? Oui, bien sûr! Pas de problème! Ah, merci! Eh non! Je vous ai eu! Vous pensiez vraiment que j'allais vous les donner? Ne soyez pas ridicule! D'accord, vous ne me laissez pas le choix. Oh, il a gelé! Désolée, monsieur l'agent, mais une mère doit faire ce qu'elle doit faire. Je vais prendre ça et ceci. Merci! Haha! Maintenant, c'est parfait! Yeah! Ah, encore un de fait. Oh, une tasse! Je vais prendre ça. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Madison fait des décorations pour le...